Bonjour chers amis auditeurs, Benjamin Ratich à l'antenne, je suis comme à l'accoutumée en compagnie de Gauthier Bouchet. Bonjour Gauthier. Bonjour Benjamin, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui nous continuons sur notre lancée pour vous faire partager l'histoire universelle sur Fréquence Histoire, sur le site fréquencehistoire.fr que vous pouvez retrouver à la fois sur Facebook, sur YouTube, mais également sur le site fréquencehistoire.fr, un site qu'il est bon de consulter puisque en plus des émissions que nous enregistrons, vous pouvez retrouver des notes un peu plus développées sur des aspects que nous avons peut-être oubliés lors des enregistrements des émissions. Voilà, pour pouvoir garnir de manière exhaustive le sujet, les sujets que nous traitons. Alors le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est un événement qui s'est déroulé le 24 janvier 41 après la naissance du Christ, 41 de notre ère, c'est la mort de Caligula. Donc voilà, donc après les deux émissions précédentes sur le rattachement de l'Alsace à la France et la deuxième émission sur les États disparus qui avait été consacrée à l'Empire éthiopien, nous faisons un passage par l'histoire romaine et donc Gauthier par cet assassinat du troisième empereur romain. Oui, c'est ça, l'Antiquité romaine, ce qu'on appelle un petit peu subjectivement sans doute le Haut Empire romain. Pourquoi subjectivement? Parce que si on parle d'un Haut Empire, c'est donc qu'on parle aussi d'un Bas Empire, qu'on considère qu'il est intrinsèquement décadent. Alors oui, il y a certes une phase de déclin de l'Empire, mais plutôt que de parler de Haut Empire, on préférera sans doute parler de Principat par opposition à une phase ultérieure de l'Empire qui sera le Dominat. Le Dominat serait à partir du 3e siècle en gros, et le Principat serait entre l'an 27 avant Jésus-Christ, l'avènement d'Auguste, c'est pour ça qu'on parle de Principat augustéen, et grosso modo jusqu'aux années d'anarchie militaire, les années 230. Il y a eu plusieurs dynasties au sein de cet ensemble qui est le Principat. La première dynastie impériale, c'est la dynastie Julio-Claudienne, introduite donc par Auguste, auquel succédera, et on y reviendra dans cette émission avec Benjamin, Tibère, entre 14 et 37. Et comme troisième empereur, tu l'as dit Benjamin, il y a ce Caligula, un empereur jeune, puisqu'il monte sur le trône, je pense, à 25 ans environ. Il meurt à 29 ans, ça veut dire qu'il a régné 4 ans, et on verra dans quelles circonstances il est assassiné en janvier 41. Précise en introduction, on y reviendra sans doute, que être assassiné quand on est empereur de Rome, ça peut paraître spectaculaire, mais c'est arrivé. Hein. Ça arrivera par la suite, ou contraint assassiné ou contraint au suicide. Ça arrivera en 68 à Néron, ça arrivera en 192 à Commode. Donc Caligula, il s'inscrit dans cette dynastie julio-claudienne, première dynastie impériale. Il est à peu près à équidistance au sein de cette dynastie, entre l'avènement d'Auguste et puis la fin de la dynastie par la chute de Néron, donc en 68, hein, la fameuse année des quatre empereurs, 68-69. On y reviendra pas en détail, mais c'est un moment charnière de l'histoire romaine, cette succession maladroite d'empereurs éphémères après la mort de Néron. Entre la fin de la dynastie julio-claudienne et puis le début d'une nouvelle dynastie qui est, je pense, la dynastie Antonine. Enfin, Caligula, c'est donc un empereur qui a été assassiné. Il n'a pas été assassiné sans raison. Il a été assassiné sans doute parce que, nous y reviendrons, il est l'archétype de l'empereur tyran. Alors on reviendra, on détaillera. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est quelque chose d'exagéré par l'historiographie? Ou est-ce qu'il y a un fond de vérité? On peut quand même penser qu'il y a un fond de vérité, parce que sinon il n'aurait pas assassiné. Il n'aurait pas été assassiné, même s'il y a bien sûr des enjeux de pouvoir à cette époque. En tout cas, ça nous permettra de faire un examen assez détaillé de l'histoire politique de l'Empire romain. Benjamin, en cette première moitié du premier siècle de notre ère.
Et oui, Gauthier, alors quand nous faisons, nous pratiquons de l'histoire antique, et comme nous avons tous les deux une formation historique, nous n'y avons pas coupé lors de nos études, Ouais, qui troisième année de dit, licence. voilà, qui dit histoire antique dit source et fiabilité des sources, et eh bien, tout comme nous l'avons fait quand nous avons étudié la bataille de Zama en 202 avant notre ère, et eh bien, malgré le fait que nous soyons dans l'ère chrétienne, le problème des sources se pose. Encore pour la fin du règne de Caligula. Alors, quelles sont les sources hein, qui peuvent justement et qui ont pu, dans l'espace de temps qui sépare le règne de Caligula de notre temps, qui ont pu faire perdurer et faire développer cette idée du règne tyrannique de Caligula? Alors, les sources sont de trois ordres dans cette antiquité plutôt tardive, hein, puisque nous sommes après le règne d'Auguste et la chute de la République romaine. Il y a d'abord une source romaine, c'est Suétone. Alors Suétone, c'est celui peut-être qui est le plus proche géographiquement de l'Italie, puisqu'il est né à Rome. Alors lui, il a existé plutôt de 70 après Jésus-Christ jusqu'en 128. Donc il est né 30 ans après l'assassinat de Caligula. Et lui, son œuvre majeure, c'est évidemment la vie des 12 Césars, en latin De Vita Caesarum, et où il s'attelle justement à brosser le portrait de 12 empereurs, comment dirais-je, en y incluant César et en y incluant ensuite ses 11 successeurs. Donc voilà, 12 personnages. Mais le problème de cette source, c'est que la fiabilité est, il faut le dire, assez douteuse, puisque Suétone cherche le burlesque, il cherche un peu l'inédit, on pourrait dire dans nos temps du XXIe siècle, un peu le people, et ce qui l'amène à traiter Caligula avec une certaine légèreté. C'est des portraits comparatifs, hein. On cherche à comparer des monarques moraux, des monarques amoraux aussi. Voilà, il y a une sorte de bieptique, de diptyque, pardonnez-moi, de diptyque entre les empereurs qui sont plutôt vertueux, comme tu le disais tout de suite, et les empereurs qui un peu plus licencieux. Et donc c'est une œuvre qui ne tend pas non plus au sérieux absolu. La deuxième source est beaucoup plus sérieuse, elle. Il s'agit de Don Cassius. Alors Don Cassius n'est pas un latin, c'est un grec. Il est né à Nicée, Nicée qui se situe aujourd'hui en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Alors lui a une méthodologie qui est beaucoup plus sérieuse. Hein. Par contre, son point faible, c'est que il est né en 155 après Jésus-Christ et est mort 80 ans après, en 235. Il a une existence exceptionnelle pour cette période, 80 ans. Mais donc voilà, il est né pratiquement 120 ans après la mort de Caligula. Donc, malgré le sérieux de son travail, de sa méthodologie, la distance qui lui sépare des événements qui nous intéressent aujourd'hui freine un peu la foi de son travail. Malgré cela, malgré cette distance, son travail pour lui, également travaillé sur les sources sérieuses, eh bien, permettent de reconstituer une biographie assez certaine sur laquelle on peut franchement s'appuyer pour traiter de Caligula. Et la troisième source, elle, est une source un peu plus exceptionnel, c'est les antiquités juives de Flavius Josèphe, hein, le fameux historien juif qui lui est né 5 ans, 4 ans pardon, avant la mort de Caligula en 37 après Jésus-Christ, pour en être mort après 93, et qui lui traite dans ses antiquités juives, qui est son ouvrage de référence, des règnes des Julio-Claudiens, et notamment dans son livre 19, il traite de l'avènement du règne et de la chute et de l'assassinat de Caligula. Donc nous avons trois sources chronologiquement distinctes également selon les origines, notamment Joseph, du fait de sa judaïté, traite les comportements et les dérives
religieuse de Caligula d'un œil vraiment embêté. Il supporte assez mal que Caligula se compare au soleil et qu'il traite par exemple Jupiter sur un pied d'égalité. Hein, il y a dans son lit 19, il osait nommer Jupiter son frère. Ça heurte profondément le caractère religieux monothéiste d'un Flavius Josèphe. Alors peut-être, à côté de ces sources, il faut rappeler quelques éléments généalogiques des Julio-Claudiens, de cette dynastie qui règne sur l'Empire romain depuis moins 27, depuis l'avènement d'Auguste. Eh bien, où est Caligula? Caligula est le fils de Germanicus. Germanicus était un grand général romain qui lui a œuvré pour pacifier un peu la région du Rhin contre les Germains donc. Et c'est d'ailleurs dans ces régions rhénanes que Caligula a passé son enfance. C'est d'ailleurs de là qu'il tient son surnom Caligula, qui vient de Caliga, qui est une chaussure d'un soldat. Donc voilà, il a grandi dans les camps militaires du Rhin auprès de son père, donc Germanicus, et de sa mère Agrippine l'aînée. Il faut d'ailleurs citer, on cite souvent le nom de Caligula, il faut citer son nom complet, qui est Gaius Julius Caesar Germanicus Caligula. Voilà, donc de sa naissance en 12 après Jésus-Christ jusqu'à peu près jusqu'à son avènement en 37, eh bien il va vivre dans les régions germaniques, donc assez éloignées, hein, de Rome et de tout cette atmosphère de complot sur laquelle nous reviendrons parce qu'elle explique justement, elle autorise cet assassinat puisque, comme tu l'as très bien rappelé Gauthier il y a quelques minutes, l'assassinat de Caligula n'est pas un acte inédit. C'est quelque chose d'assez commun dans l'histoire politique romaine. Donc Germanicus, lui, est le fils de Drusus qui était le frère de Tibère. Et Tibère va adopter Germanicus et va adopter aussi le frère de Germanicus, son frère cadet qui s'appelle Claude, qui deviendra, après la mort de Caligula, l'empereur Claude. Donc Caligula devient par l'adoption pardon de son père Germanicus par Tibère le troisième dans l'ordre de succession au trône de Rome et le deuxième après que son frère aîné, le frère de Caligula, Drusus, mourut en 33 après Jésus-Christ. Donc voilà pour les éléments assez généraux de la généalogie des Julio-Claudiens et de l'ascendance de Caligula en particulier. Donc cette enfance en Germanie, Gautier, se termine lors du décès de Tibère qui intervient en 37 après Jésus-Christ. Oui, Tibère décède en 37, donc après 23 ans de règne, et après une phase un peu particulière qui est bien connue, bien documentée par l'historiographie, qui est une sorte de mise en retraite à Capri. Tibère passera les dernières années de sa vie en relative retrait du pouvoir, et il laissera finalement les commandes à son préfet du prétoire, qui est Séjean. Cet épisode se passe à peu près entre 27 et 37. Alors, Séjean est désavoué en vers 31, il est finalement assassiné. Mais pendant 4 années, nous avons un homme qui est quasiment dans le rôle de vice-empereur de Rome, qui est Séjean. Et ça illustre le relatif retrait de la vie publique de Tibère, qui n'est pas un empereur qui s'est comme ça constamment pleinement exposé publiquement. Alors Caligula arrive donc après la mort de Tibère. La mort de Tibère, elle intervient au printemps 37. Et à en croire l'historiographie, ce règne de Caligula, il se séparerait en fait en deux parties, puisqu'il est initialement perçu comme assez positif. Après cette fin de règne de Tibère, dont on a vu qu'elle était un petit peu morose, en tout cas elle était assez originale par rapport à ce qui se pratique auparavant, c'est-à-dire un empereur qui est franchement en retrait. L'avènement de Caligula, il est salué comme une période de faste qui renouerait un petit peu avec la grandeur augustéenne, le superbe du règne d'Auguste quelques décennies auparavant. Mais ce règne de Caligula, il est rapidement considéré par l'historiographie comme entrant dans une seconde phase, qui serait une phase de tyrannie. Alors naturellement, le portrait du règne, il est noirci par les littérateurs de l'Antiquité romaine, et on l'a vu, Benjamin a cité Suétone dans cette
Ce récit comparatif que constitue la vie des 12 Césars, de la même manière que la vie de Néron quelques décennies plus tard sera elle aussi noircie par l'Antiquité romaine, alors qu'il aurait tendance à être paradoxalement partiellement réhabilité de nos jours par les historiens. Les historiens s'accordent toutefois à considérer factuellement que Caligula, durant son règne, au moins à la fin de son règne, est atteint d'une forme de démence, hein, donc que les accusations de folie qui lui sont portées sont quand même partiellement vraies. Et dans l'Empire romain d'Auguste Domitien, qui est un livre de 2001, Claude Briand-Ponsard et Frédéric Hurlet, par exemple, répètent à l'envi l'existence de ce schéma binaire que j'ai cité, dont j'ai fait mention brièvement, c'est-à-dire les deux règnes de Caligula. Je cite les historiens, le principat de Caligula est d'ordinaire divisé en deux moments bien distincts. À un bon début de règne aurait succédé une démesure grandissante et une série d'atrocités. C'est cette sorte d'hubris, pour reprendre le terme des Grecs, que Caligula manifesterait dans son règne. Il y a plusieurs manifestations de ça, que ce soit sur un plan politique ou sur un plan religieux. Les deux étant assez imbriqués à l'époque. Puisque, par exemple, Caligula, initialement, est prévu pour co-régner, en fait. Hein. Il n'est pas prévu pour régner uniquement. Enfin, il n'est pas prévu pour régner seul. Tibère lui confie le soin de régner aux côtés d'un homme qui s'appelle Tibère Gemellus. Et donc, pendant quelques mois, il y a ce règne partagé entre Tibère Gemellus et Caligula. Mais Caligula, visiblement, n'est pas satisfait de ça, et il fait assassiner Tibère Gemellus, semble-t-il, vers décembre 37. Tibère Gemellus, c'est à la fois son cousin et son fils adoptif. Alors naturellement, cette exécution, elle est mal perçue, parce que Tibère Gemellus, en plus d'être un proche de la famille de Caligula, c'est aussi un sénateur. Donc naturellement, ça cause une brouille considérable au sein du Sénat. Et puis c'est un co-héritier de Tibère, donc il devait être traité avec respect. Alors on s'étonne que Caligula l'écarte pour ne pas s'encombrer d'un rival finalement. Il y a aussi des faux pas sur le plan religieux, à savoir que Caligula, qui est un homme dépensier, qui dépense beaucoup d'argent, visiblement pour s'attirer les faveurs de la plèbe, comme aurait pu le faire Jules César avec les populares un siècle plus tôt, eh bien, Caligula, symboliquement par exemple, il délaisse la toge impériale, il préfère des tuniques de fleurs, ce qui dénote une inclination, une sympathie pour l'Orient, et on sait qu'à Rome, encore à cette époque, il n'est pas toujours très bon, très pertinent de montrer un certain orientalisme, hein, parce que Marc-Antoine en a fait l'expérience un siècle plus tôt, par exemple, dans la lutte politique qu'il a menée contre le futur Auguste, qui s'appelait Octave à l'époque. Eh bien, Octave s'est servi d'une arme politique contre Marc-Antoine en disant cet homme n'est pas sincèrement romain. Regardez, il est proche de Cléopâtre, il se laisse influencer, il se laisse dominer par elle, et il veut finalement faire de Rome une sorte d'empire universel associé au peuple d'Orient. Mais on peut penser que un siècle plus tôt, dans un certain inconscient collectif, y compris des élites romaines, pas simplement du peuple, jouer à l'oriental comme ça, comme le fait Caligula, n'est pas très bien perçu et ça ne fait pas très sérieux. Mais il n'y a pas que ça, hein, ça c'est à la rigueur, c'est une anecdote. Ce qui est reproché à Caligula surtout, c'est d'avoir une tendance à se prendre pour une sorte de dieu vivant. C'est d'associer le pouvoir impérial à deux figures divines que sont Jupiter, qui est la version romaine de Zeus, et puis ce demi-dieu qui est Hercule. Et en faisant cela, eh bien Caligula n'est pas très malin politiquement, et ça ne peut manquer de le discréditer à la fois aux yeux du petit peuple, mais aussi, Benjamin, des élites qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir sa chute. Oui, parce qu'au-delà des caractères un peu psychologiques et psychiques qui peuvent expliquer ou justifier
l'idée d'un dérangement mental de Caligula. Le règne de ce même Caligula met en lumière quand même un déséquilibre au sein des institutions romaines. Ce déséquilibre n'avait pas été mis en lumière lors des deux règnes précédents. Par Auguste, d'une part, puisque c'est majoritairement lui qui l'avait institué, et non plus par Tibère, puisque Tibère, on le considère dans l'historiographie comme un règne, pardon, de continuité avec le règne d'Auguste. Caligula, lui, enclenche véritablement une sorte de rupture autoritarisme dans l'équilibre que caractérisait le Principat. Alors, il faut peut-être se replonger un peu sur quelle était la nature de ce Principat. C'était, oui, il y avait une sorte de compromis entre la figure du prince, hein, qui était revêtu de l'autorité, de la dignité impériale, dont l'équilibre des institutions lui laissait en gros le contrôle militaire, le contrôle des armées et la puissance, la politique étrangère. Et le Sénat, qui n'avait pas délaissé tous ses pouvoirs, parce qu'on a souvent peut-être que comment dire, les bandes dessinées et notre vision que nous avons au XXIe siècle de Rome nous montrent un empereur surpuissant et un Sénat qui est totalement lésé après 27 avant Jésus-Christ, c'est totalement faux. Le Sénat et toute la classe aristocratique de Rome conservent un pouvoir certain. Le pouvoir, il est déjà dans l'administration. Le nombre de provinces sont sous administration directe du Sénat. Alors l'Italie, toutes les provinces qui sont des provinces sûres, hein, où il n'y a pas besoin de Ils sont moins stratégiques, quoi. voilà, moins stratégique, qu'il n'y a pas besoin de, que des légions y soient stationnées pour que l'ordre soit maintenu. Clairement, c'est pas l'Égypte, par exemple. Voilà, exactement. Enfin, toutes les régions qui ne constituent pas, en gros, ce qu'on appelle le limes, c'est-à-dire la frontière romaine, ne sont pas administrées par le Sénat. Alors, les frontières sûres, entre guillemets, de cet empire romain, bah, c'est bien naturellement le Latium, l'Italie, la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la Gaule qui entoure le golfe du Lion. La Cyrénaïque, la Numidie, la Macédoine, l'Asie mineure, toutes ces régions qui sont contrôlées depuis déjà quelques siècles et que aucun peuple ou aucun État voisin n'est en mesure de contester à l'hégémonie romaine. Mais le Sénat a également des compétences judiciaires, également législatives. Donc il y a un équilibre des pouvoirs entre le Sénat, la classe aristocratique. Et le prince, les princes de la maison julio-claudienne, qui existent hein, depuis la fin de l'ère préchrétienne. Avec Caligula, eh ben, cet équilibre est rompu, puisque Caligula, en matière religieuse, en matière politique et dans ses pratiques politiques, aux premières desquelles les assassinats, rompt justement ce compromis. Alors, tu avais parlé tout de suite, Gauthier, je reviens sur cette idée. Il rejette également l'idée que le Sénat représente la voix du peuple romain. Hein, Suétone, alors, est-ce que c'est une vue de l'esprit de Suétone ou est-ce que c'est un fait réel? Nous cite justement que Caligula souhaiterait que le peuple romain ne soit constitué que d'une seule tête pour pouvoir la trancher d'un coup. Voilà, ça montre, alors si la phrase n'est pas historiquement exacte, ça montre quand même la conception qu'avait Catilina Caligula du pouvoir et l'estime qu'il avait justement pour le Sénat, représentation du peuple romain. Alors, c'est pratique. Donc, ça inaugure, ce règne de Caligula, une ère de violence politique qui existait, je l'avais rappelé tout à l'heure, avant, bien évidemment, son avènement, mais qui n'est pas embellie par ce règne. L'une des personnes qui va faire les frais de ces assassinats politiques, après le fameux Gemellus qui avait co-régné au début du règne de Caligula, c'est Macron. C'est Naevius Sertorius Macro, dont le nom francisé est Macron, qui est un préfet du Prétoire et qui s'était fait connaître, lui, pour avoir fait exécuter le fameux Séjean dont Gauthier parlait il y a quelques minutes, en 31 après Jésus-Christ.
Et ce Séjan avait profité, lui, de la claustration à partir de 27 de Tibère à Capri pour faire assassiner le propre fils de Tibère, Drusus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Tibère a adopté son neveu, ses neveux Germanicus et Claude, puisque justement sa descendance à lui avait été éteinte par les agissements de ce Séjan. Eh bien, Macro, lui, s'était rendu populaire en faisant assassiner ces gens, donc en tuant ce despote qui avait perturbé un peu le règne de Tibère. Eh bien, Caligula, sans raison véritable, peut-être par le fait que la popularité de Macro le gênait, eh bien, fait exécuter ce Macro. Donc, ça montre un peu la légèreté des pratiques politiques de Caligula, et ça va participer tout ça, tout si le fait que Caligula réduise à néant toute concurrence à sa propre popularité à lui, cela participe à la création de complots, de conspirations qui, malgré le fait que beaucoup vont être contrecarrés par l'empereur, vont finir par arriver à l'assassinat de Caligula. Oui, parce que l'assassinat de Caligula en janvier 41, il fait effectivement suite à des complots qui ont été éventés, qui n'ont pas fonctionné. Et ça fait suite, naturellement, on l'a dit, à cette fin de règne de Caligula qui était plutôt sous de mauvais auspices. Même si le début du règne de Caligula avait plutôt bien commencé. On aurait dû y venir peut-être un petit peu avant, mais le tout début de règne de Caligula, au printemps et à l'été 37, c'est vraiment une période où le Sénat a confiance dans le nouvel empereur. Ainsi donc, Tibère meurt le 16 mars 37, et le 3 avril 37, nous avons l'éloge funèbre de Tibère, prononcé donc par Caligula. Symboliquement, Caligula se refuse à prononcer sa divinisation. Et ce refus est complété de critiques mesurées, mais qui sont des critiques quand même contre l'ancien empereur, dans un discours que Caligula prononce le 1er juillet. Et il y insiste durant ce discours sur sa volonté de travailler aux côtés du Sénat et non pas contre le Sénat. Et ça, c'est perçu comme un changement d'optique par rapport à Tibère. Et ça fait naître ce premier jugement positif sur donc ce premier règne de Caligula, qui est grosso modo une phase d'un an, puisque après, nous avons donc, entre guillemets, ce second règne avec cet événement dramatique qui est l'assassinat de Tibère Gemellus. Et puis des événements qui sont plus liés à la psychologie de Caligula, qui sont des événements plus anecdotiques. On a dit tout à l'heure son rapport avec le divin. On peut citer par exemple le fait qu'il ait divinisé sa propre sœur, Drusilla. Bref, le règne de Caligula va de mal en pis, et il y a plusieurs complots qui donc sont globalement mis en pièces les uns à la suite des autres. Il y a des complots à l'initiative de ses sœurs, Agrippine le Jeune, Julia Livia, un complot à l'initiative de son favori, qui est Marc-Émile Lépide. Et puis un dernier complot qui réussit, donc le 24 janvier 41, qui a raison de l'empereur, Caligula est assassiné par les soldats de sa garde personnelle. L'épisode de cette conspiration finale contre Caligula, et donc de son assassinat, il est assez bien documenté par un littérateur romain dont tu as parlé, Benjamin, tout à l'heure, qui est par ailleurs de confession juive, c'est Flavius Joseph. Et nous savons par exemple le nom de certains des conspirateurs. Alors nous savons qu'il est assassiné par les soldats de sa garde personnelle, mais il y a aussi des hommes politiques hein, qui ont partie liée dans cette affaire, qu'ils soient ou non présents physiquement le jour de l'assassinat. Nous avons un homme qui s'appelle Chéré, nous avons Émile Régulus, Cornelius Sabin, Vinutien et Aquila, dont certains seront exécutés par le successeur de Caligula, Claude, dont certains auront la vie sauve mais préféreront se suicider pour ne pas survivre à ceux qui auraient été exécutés. C'est un complot au sujet duquel nous avons une source principale, Flavius Joseph. Même si pour autant les événements sont assez flous. Par exemple, j'ai parlé d'un des conspirateurs qui s'appelle Aquila. On n'en sait guère plus sur Aquila que son prénom, hein.
n'y a pas vraiment d'informations biographiques sur ce personnage. Les autres personnages, on n'en sait pas beaucoup plus non plus. Le plus connu, c'est sans doute Émile Régulus, qui, je crois, n'a jamais été un fonctionnaire impérial en Ibérie, me En semble-t-il. Ibérie, oui. C'était celui l'Ibérie étant une province directement sous l'administration de l'empereur, puisque c'est une province où des légions étaient stationnées, eh bien cet Emilius Régulus était le représentant en fait de l'empereur qui administrait la province. Et c'est l'un des conspirateurs, on va dire à À distance, distance, oui. voilà, un des comment dirais-je, des administrés impériaux qui étaient mécontents de la dérive autoritaire du régime et qui n'a pas participé, comme tu l'as dit, manu militari à la chute de Caligula, mais qui en a vivement souhaité les faits. Voilà, ceux ayant participé physiquement à la conspiration, c'est avant tout le trio Chéré, Cassius Quirea, Cornelius Sabin et Aquila qui, eux, ont porté les coups mortels à Caligula. Et immédiatement après cet assassinat de Caligula, alors que Caligula est jeune, hein, puisqu'il entre dans sa 29e année, nous avons un empereur qui est désigné, qui n'était pas prévu naturellement. C'est un personnage, semble-t-il, assez peu charismatique, en tout cas c'est ce qu'en dira l'historiographie. Ce personnage, c'est Claude, qui va régner une douzaine d'années à partir de 41. Peut-être brièvement, peut-on revenir, Benjamin, sur le profil psychologique et politique de Claude? Eh bien, Claude, il a déjà des circonstances d'avènement qui sont assez peu communes. C'est que la garde prétorienne, après avoir assassiné Caligula, trouve le dénommé Claude derrière un rideau. Et Claude, qui est affolé, terrorisé, croyant que la garde se retourne contre lui pour exterminer le dernier représentant des Julio-Claudiens, eh bien, pas du tout, viennent acclamer Claude comme le nouvel empereur, ce qui prouve que le fait impérial n'est pas quelque chose qui est contesté par l'aristocratie romaine. C'est le personnage en lui-même de Caligula qui était devenu insupportable au Sénat et à l'aristocratie et qui méritait, selon eux, la mort. Et donc Claude relève un peu ce titre impérial. Et comme un règne de rupture avec son prédécesseur, va tenter d'avoir des relations beaucoup plus stables et égales avec le Sénat. Et il ne faut pas oublier, puisque le règne du Caligula ne représente en somme que 4 années hein, de l'histoire romaine, 4 années, il ne faut pas oublier que malgré cette instabilité du pouvoir impérial à Rome, l'Empire continue de s'accroître. Le règne d'Auguste à la fin de l'ère préchrétienne et au début de l'ère chrétienne est un règne d'expansion, comme le règne de Tibère et comme va l'être celui de Claude et comme la dynastie Joclaudienne ne va pas empêcher les Flaviens de faire développer également, de faire s'accroître le territoire romain. Donc ainsi, quelques exemples, hein, la Mauritanie, ce qu'on appelle la Mauritanie, c'est cette bande, à l'époque, hein, ce qu'on appelle la Mauritanie, c'est cette bande d'Afrique du Nord qui va du nord du Maroc jusqu'à l'équivalent de la ville d'Oran, de Tirta, cette Mauritanie est acquise pleinement à Rome, justement au 1er siècle après Jésus-Christ. L'équivalent de l'Alsace, hein, ces territoires où les Germains sont véritablement pas stables et qu'il faut en permanence rabrouer, eh bien ce territoire est contrôlé au 1er siècle après Jésus-Christ, tout comme la Bretagne. Hein. La Bretagne à l'époque, naturellement, c'est pas la Bretagne que nous connaissons, c'est la Grande-Bretagne, et commence à être soumise. Après des assauts, un siècle d'assauts qui ont commencé sous Louis César, eh bien commence à être véritablement contrôlé par les pouvoirs romains. Donc le règne de Caligula, en sorte, n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de l'expansion romaine, de la conquête romaine. Nous sommes, comme tu l'as rappelé, Gautier, au niveau de l'historiographie, dans le Haut Empire romain, et la civilisation romaine n'est pas menacée par le règne de Caligula. Et comme je l'ai dit, ni la civilisation romaine, ni le principe impérial qui est conservé par le successeur de Caligula, Claude. Bon, et puis il faut contextualiser cet assassinat de Caligula, même s'il est spectaculaire.
On l'a dit en introduction, c'est pas quelque chose d'impensable ou même de rare à l'époque, parce que l'Antiquité romaine est quand même une période de violence politique qui est bon, totalement incomparable avec ce que nous connaissons maintenant. Et toutes les sociétés antiques sont pareilles, hein, sont dans le même cas, hein, que ce soit l'Ancienne Égypte, que ce soit l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, c'est courant à l'époque. Et ces phénomènes que nous avons vus aujourd'hui, l'assassinat, la conjuration, le fait que des personnages de second plan arrivent au premier plan du fait d'empereurs qui sont un petit peu falots ou qui volontairement se mettent en retrait, sont des phénomènes qui sont récurrents. Moi, j'ai un petit peu balayé l'histoire du Haut Empire romain. Je me rappelle quand même qu'il y a, alors après la mort de Caligula, par exemple, ce qu'on appelle la conjuration de Pison en 65. C'est-à-dire que Pison, qui est un sénateur, tâche de renverser Néron en 65, ça ne fonctionne pas. Il y a ensuite l'assassinat de Néron, on vous en a parlé en 68. On ne vous a pas parlé en revanche d'un homme qui est Tigelin, qui est son préfet du prétoire. Tigelin avait pris une importance considérable dans l'appareil d'État romain. Il y a donc l'assassinat de Néron, on l'a dit. Enfin, l'assassinat, c'est pas un assassinat d'ailleurs, hein. C'est un suicide forcé après l'exil par le Sénat. Hein. Et Néron se suicidera avec ses domestiques et le fameux Tigelin, préfet du prétoire. Il y a ensuite, on vous en a parlé en introduction, l'assassinat de Commode en 192. Commode, c'est l'empereur du film Gladiator. Hein. Alors, dans la réalité, il était assez différent, autant sur le plan physique que sur le plan de son règne, parce qu'il a quand même régné 13 ans. Hein. Dans le film, on a l'impression que c'est un intermède de quelques mois entre Marc Aurèle et ce qui est ensuite. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais semble-t-il que psychologiquement, il y avait un petit peu de vrai dans cette description de Commode. Et puis, un empereur dont on n'a pas parlé en introduction, on aurait dû en parler, c'est Héliogabale, un empereur qui était tellement imbu de lui-même, visiblement, qu'il se prenait pour une sorte de dieu soleil, d'où son nom, Héliogabale. Hélios, ça veut dire soleil. Eh bien, lui, il a fini dans le caniveau au début du 3e siècle. Et donc, il y a une récurrence des violences politiques, des phénomènes d'usurpation, des assassinats politiques, de phénomènes aussi où vous avez des personnages de second plan, comme les préfets du prétoire, qui occasionnellement prennent une importance politique considérable. Alors forcément, on peut penser que la récurrence de ces phénomènes, au premier rang desquels les violences politiques, ça peut donner sans doute des traditions historiographiques récurrentes, et donc des portraits-types récurrents, notamment cette figure de l'empereur tyran, qui est celle accordée par l'historiographie à Caligula, qui le sera ensuite avec Néron, en particulier avec l'épisode bien connu de l'incendie de Rome en 64, que l'on impute à Néron, et qu'on lui impute du fait qu'il est hostile aux chrétiens. On dit que Néron fera des chrétiens les responsables. Cette figure de l'empereur tyran, elle est ensuite associée, donc, on l'a dit, au règne de Commode. Enfin, ça nous semble normal que, encore une fois, la récurrence de certaines violences entraîne des portraits historiographiques qui peuvent se ressembler, avec une sorte de trio, c'est-à-dire il y aurait des empereurs tyrans, il y aurait des empereurs un petit peu passifs, puis il y aurait des empereurs réformateurs. La figure d'un Marc Aurèle, par exemple, qui a régné entre 161 et 180, passe plutôt pour un empereur réformateur, parce qu'il est philosophe. Parce qu'il est en première ligne aussi quand il faut mener des campagnes de conquête militaire. Il n'est pas à l'arrière. Bref, il y a des portraits typiques d'empereurs entre les tyrans, les réformateurs, qui, nous semble-t-il, sont largement conditionnés, bien sûr, par le récit qu'en font les littérateurs de l'époque, comme on l'a vu avec Suétone, mais qui sont conditionnés aussi par la récurrence de certains phénomènes, au premier rang desquels il y a cette violence politique. Oui, ce portrait archétypal de l'empereur tyrannique qu'était Caligula a été repris au XXe siècle, notamment par Albert Camus pour sa pièce Caligula, où il se sert de la figure de l'empereur sanguinaire qu'a été Caligula pour exprimer l'absurdité des hommes. Donc il y a plus qu'avec Commode ou avec Néron, une personnification du souverain sanguinaire,
en Caligula, et c'est ce qui est resté de la postérité. Voilà, chers amis auditeurs, pour cette émission consacrée à l'assassinat de Caligula, au règne de Caligula, et plus largement à cette période du Haut Empire romain qu'est la dynastie julio-claudienne, dont on a vu qu'elle s'achevait donc en 68, avec une figure dont on a quasiment finalement autant parlé que Caligula, qui est Néron. Peut-être faudra-t-il revenir sur Néron, et qui est un empereur qui n'a pas du tout le même règne que Caligula, hein, puisqu'il a un règne d'une douzaine d'années. On verra peut-être un jour qui de Caligula ou de Néron est le véritable tyran. Alors, chers amis auditeurs, nous nous sommes consacrés aujourd'hui à l'Antiquité romaine. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas parlé de cette période. Enfin, pas si longtemps, puisqu'on avait eu cette émission, on l'a rappelé Benjamin sur la bataille de Zama, mais c'était plutôt de l'histoire Militaire. militaire, de la poliorcétique, comme on disait. Enfin, la poliorcétique, c'est l'art des sièges. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on vous avait parlé des éléphants de guerre, des guerres puniques, etc. C'était pas du tout de l'histoire politique, même si on a rappelé un petit peu les figures politiques de l'époque, Scipion l'Africain et Hannibal. On avait aussi parlé en janvier 2018, donc c'est pas tout récent, d'un autre empereur, du fondateur de l'Empire romain finalement, qui est Auguste. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui à l'Antiquité romaine et nous allons changer d'époque, pas forcément de lieu, mais changer d'époque à la prochaine mission, puisque nous nous intéresserons à l'histoire d'Oran entre le 10e et le 20e siècle. Avec la chronique d'un livre qui est Oran, 11 siècles d'épopée méditerranéenne. Je crois que c'est 962-2016 pour donner le titre complet. On verra les évolutions sociales, politiques de la ville d'Oran entre bien la période médiévale, vous le savez, cette période ottomane, période espagnole aussi, et puis à partir de 1830, donc. La conquête française. Voilà, chers amis auditeurs, merci de votre écoute, merci Benjamin, et à bientôt sur l'antenne de Fréquence Histoire. Merci.